Votre maître à tous va vous parler. Tenez-vous-le pour dit. Nous n'hésiterons pas à prendre l'antenne pour fixer nos exigences et vous les imposer. Le hautbois. Le hautbois est avant tout un instrument de musique, il est bon de le rappeler. Héritier direct du chalumeau, le hautbois présente une tessiture de 3 octaves. Les anches du hautbois sont fabriquées en roseau très sec, ce qui provoque de fréquentes lésions buccales, coupures des lèvres, déchirement de la gencive, éclatement des muqueuses. De plus, les infections purulentes qui en découlent sont généralement malignes et très douloureuses. C'est pourquoi la vie sexuelle des hautboïstes ne supporte aucune fantaisie. Néanmoins, le hautbois reste à juste titre considéré comme l'instrument roi de l'orchestre. Notre maître à tous va vous parler. Bonjour, je veux et j'exige la haute cour pour Jean-Claude Bourré. Oh Roger, arrête tes conneries, il n'a jamais été question de ça. Je veux et j'exige, et je dis la haute cour. Monsieur le Président, je te remercie pour ton dernier parachutage humanitaire. C'est dommage qu'un des conteneurs soit tombé sur ma maison et l'ait écrasé. Heureusement qu'il ne fait pas trop froid. Sinon, on a trouvé les 50 kg de jambon à l'os qui n'ont pas été trop abîmés dans leur chambre. On les a donnés aux chiens qui se sont régalés, vu que nous, on ne mange pas de cochon. Quant au coca, il était un peu éventé, mais on l'a bu volontiers. La prochaine fois, est-ce que tu peux nous envoyer des cigarettes? C'est pour les donner aux soldats serbes quand ils sont en colère. Ça les calme un peu et maman est moins stressée. Aïe de belles choses, monsieur. Il m'a dit pas qui fait mal, hein, même pour les enfants. Qu'est-ce qu'un DRH aujourd'hui? Un DRH n'a plus rien à voir... S'il vous plaît, DRH, pour expliquer. Ah oui, directeur des relations humaines, pardon. J'y vais. Qu'est-ce qu'un directeur des relations humaines aujourd'hui? Un directeur des relations humaines n'a plus rien à voir avec le DP d'autrefois. Et la... oui. Ah oui, pardon, directeur du personnel. Alors je reprends. Qu'est-ce qu'un directeur des relations humaines aujourd'hui? Un directeur des relations humaines n'a plus rien à voir avec le directeur du personnel d'antan. Aussi bien dans la PME... Ah oui, pardon, PME, PMI, pardon. Excusez-moi, je reprends. Qu'est-ce qu'un directeur des relations humaines... Bonjour, notre maître à tous va vous parler. À table! Notre maître à tous va vous parler. À table! Bah, c'est pas du poisson bleu, ça, hein? Ah oui? Les insectes sont nos amis. Aujourd'hui, l'Anophelus functionaris. Reconnaissable à son thorax gibbeux et à sa nervation alaire, l'Anophelus functionaris, plus communément appelé moustique de bureau, prolifère dans les administrations,
dont il apprécie les radiateurs. Notre maître à tous va vous parler. Chaque fois que nous le voudrons, nous n'hésiterons pas à prendre l'antenne pour imposer. Chaque fois que nous le voudrons, nous n'hésiterons pas. Chaque fois que nous le voudrons. Chaque fois que nous voudrons, nous n'hésiterons pas. Je sais, Roger, je sais. À vous imposer une cruelle exécution. Bonjour. Bonjour. Nous allons vous imposer nos cruelles exigences. Dis-le, tu dis mieux. Bonjour. Bonjour. Nous n'hésiterons pas à prendre l'antenne à n'importe quelle heure. Pour vous imposer. Rigolez. Je suis le maître du monde. Et à n'importe quelle heure, je frapperai chez vous. Par le biais de FR3 Marseille, Provence, Méditerranée, pour imposer. Excusez-moi, c'est nerveux. Bonjour. Nous n'hésiterons pas à prendre l'antenne pour exiger. Prenez l'organigramme d'une PME depuis le DG. Oui, excusez-moi. Quel est le rôle qui... Pardon. Quel est le rôle du directeur des relations humaines aujourd'hui? Au même titre que d'autres chefs de secteur, comme par exemple le dire... Oh merde, mon vieux.